Good morning, Aleiden, Netus, aujourd'hui, le Lunish, Mat, Avram, Chai, Norber, Ben, Fortuné, Mazal, Rachamim, Ben, Rosa, Yedida, Bet, Esther, Allegria, Bat, Sol, Ben, Soussan, Lebet, Vanish. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions en secrétaire Rin, Perek, Gimel, Mishnah, Daled, Be, Ones, Ova, Mefate, Lehakel, Ole, Achmir, Keitzad, Echad, She, Anas, Upita, Et, Agdola, She, Bakehuna, Vet, Aktana, She, Be, Israël, נותן 50 סלה, והגושת והפגם, הכל לפי המבייש והמתבייש. Dans le troisième chapitre de Erchin, on compare toutes sortes de situations où la Torah, elle a fixé un prix fixe à une indemnisation, à celui qui a fait un don. Donc, qu'en théorie, si on devait calculer la valeur marchande des choses, on aurait eu un prix conséquent de la marchandise qu'on a devant nous, du problème à aborder, mais la Torah elle a préféré nous donner un prix fixe, et du coup, les Mishnayot nous enseignent en nous disant, sache qu'en nous fixant cette barre comme ça, des fois on gagne et des fois on perd. D'accord ? Ça, c'est le principe de tout le chapitre. On l'a vu dans plusieurs situations, on a commencé avec l'Arachid, on a parlé du Zder Chouza, ensuite on a parlé de Shor Amouad, et maintenant on va découvrir l'histoire du Ones ou Mefate, une parasha explicite dans la Torah, dans Natan Avianaras, dans Kitetse. Dans Parashat Kitetse, on parle de Ones ou Mefate, celui qui viole une jeune fille ou celui qui va la séduire. La Torah l'a fixé, ça se passe comme ça. On va commencer avec le viol et puis après on va passer aussi au pitoy. C'est plus facile de comprendre le viol. Lorsqu'on viole une jeune fille, c'est jusqu'à l'âge de 12 ans et demi, d'accord ? Tant qu'elle est encore. Donc qu'elle n'a pas encore fini de devenir une bougerette. Entre parenthèses, le développement d'une jeune fille, ça se passe. Au début, elle est ktana, après elle devient nehara, après elle devient bougerette. C'est-à-dire au début, elle est petite fille, elle n'a aucun simanim de développement d'adolescence. Après, elle commence à rentrer dans l'adolescence, ça dure pendant 6 mois, et elle commence à devenir jeune fille, mais ce n'est pas encore fini. Et puis après, à 12 ans et demi, elle est devenue bougerette, complètement adulte. Pendant, jusqu'à cette période, donc, tant qu'elle n'est pas encore devenue bougerette, adulte complètement, donc 12 ans et demi, alors la Torah a donné la lacha du Ones et même du Mefate. Ones, c'est celui qui la viole. Celui qui la viole, alors quand il viole, il y a bien sûr la douleur, il y a, excusez-moi, une deuxième parenthèse. Vous savez que quand on cause un dommage à quelqu'un, un humain, il doit l'indemniser sur 5 plans. Nezek, Tsahar, Ripouy, Shevet, Bochet. Celui qui se souvient de Baba Kama, Nezek, c'est le membre manquant ou amputé, tsar, la douleur, ripouille, il doit se soucier de le guérir, chevet, c'est si toutefois il a été malade, il a été alité à cause de ça, pendant quelques jours il n'a pas travaillé, il faut lui donner aussi le chômage, et bochette, la honte, aussi occasionnée, on apprenait tout ça dans Baba Kama. Alors maintenant, lorsque un homme viole cette jeune fille, alors en théorie, il doit lui donner les 5 choses, si c'est conséquent, c'est-à-dire si en la violant, elle a été tombée malade, c'était tellement violent que... Alors il devra bien sûr lui donner le ripouille, par exemple. Il devra bien sûr lui donner le nézek. Bon, on va en parler du nézek dans quelques secondes, c'est le plus compliqué à expliquer. Tsar, la douleur, bien évidemment, il y a eu de la douleur, elle n'était pas consentante, donc il y a eu de la douleur. Ripouille, on a déjà dit, s'il y a. Chevet, de nouveau, s'il y a. Bochette, bien sûr, la honte que maintenant elle est humiliée, que tout le monde, c'est d'elle qu'elle a été, violée, elle est plus vierge. D'accord ? Je vous ai dit maintenant, calculer le nézek, c'est ce qu'on va appeler dans le Mishnah, dans la fin de la Mishnah, on appellera ça le pgam, c'est le même principe. Pgam, c'est le membre endommagé. Nézek aussi, c'est le dommage qu'il a causé. Comment est-ce qu'on calcule combien coûtent des betulim d'une femme? Franchement, c'est comment on fait pour calculer un truc pareil? Khalila, un homme, savoir, qui s'il devait donner sa fille pour des milliards, il ne donnerait pas sa fille. Comment est-ce qu'on calcule le pgam? Alors on a un moyen très simple, de nouveau, c'est le marché des esclaves. On va aller au marché des esclaves, on va voir une jeune fille que physiquement elle a le même physique que plus ou moins que la jeune fille. Et on va voir, ça arrive que des fois, hein, à l'époque, quand il y avait le marché des esclaves, alors ça arrivait aussi qu'un homme il était tellement content de son esclave qu'il voulait lui faire plaisir et lui acheter une compagne et lui acheter, si possible, en WW, toute vierge propre. Ouais, comme ça, il pourra avec elle, ce sera à la fois ouais, construire avec elle, peu importe. En tout cas, donc, s'ils veulent faire, donc on va aller voir. Et donc, de ce fait, il y avait aussi au marché des esclaves, on s'intéressait à savoir la virginité de la fille. Est-ce qu'elle était
Est-ce qu'elle était de l'esclave, de la servante? Est-ce qu'elle était complètement propre ou pas? Parce qu'un homme, s'il voulait donc faire plaisir à son esclave et lui offrir une jeune fille vierge, eh bien, donc, combien il aurait rajouté pour ça? Ça, c'est comme ça qu'on calcule l'indemnisation du dommage. Ça, c'est d'abord, c'est de manière générale, quel que soit le dommage, même si on met une claque à quelqu'un, on doit donner nezek tzar ripui shevet bochet. En conséquence, si on a connu un dommage ou pas. Ça, tout ça nous concerne pour Baba Kama, et c'est en l'occurrence, c'est en vigueur aussi ici, selon le cas. Entre parenthèses aussi, j'ai rajouté une autre parenthèse par rapport à notre Mishnah cette fois-ci. Lorsqu'on va parler par exemple du pitouille, s'il a séduit la jeune fille, qu'il devra aussi indemniser, il ne devra plus l'indemniser cette fois-ci sur le tsar, sur la douleur, puisqu'elle était consentante, donc il n'y a pas eu de douleur. D'accord? Chaque fois, on adapte en conséquence. À part ça, maintenant, la Torah a explicité de donner en plus au père de la jeune fille un knas, de lui verser une amende sur l'acte odieux qu'il a causé sur sa fille, en lui donnant 50 sela, 50 shekels, de nouveau 50, les mêmes 50, c'est marrant, ça. Grâce à cette Mishnah, j'ai constaté qu'en fait, le 50, il revient très fréquemment dans les Arachines et de partout. En tout cas, il doit donner au père de la jeune fille 50 slaïm. Il doit lui donner un knas de la Torah. Pourquoi, plus précisément, si ça vous intéresse? C'est explicité en fait en théorie, selon, c'est explicité dans la Gemara. En théorie, selon l'indemnité elle-même proprement dite, il a déjà couvert toute l'indemnité. Mais il y a encore autre chose qu'il a pris du père. C'est que le père, il avait la possibilité de marier sa fille comme il voulait, selon le lui trouver un bon bachour, un bachour tzaddik, pieux et tout ça. Maintenant, c'est fini, il a grillé la fille complètement. Donc, même s'il va lui donner toutes les indemnités, finalement, le père, il a encore un manque. Il faut, donc, dans ce cas-là, la Torah l'a fixé un kina sur la anaat bia, sur le plaisir occasionné qui lui a pris qui lui a volé sa fille. Le père, il pouvait décider de marier sa fille à qui il voulait. Tant qu'elle est jeune fille, c'est le père qui décide. Et puis, donc, quelque part, il lui a arraché, il lui a, il lui a pris, il lui a dérobé ce droit, quelque part, de donner sa fille à n'importe qui pour. Shalom, c'est pas la question, bien sûr, mais pour pouvoir la marier même. Donc il doit maintenant, la Torah l'a fixé qu'il devra indemniser en plus de ça, donner un supplément au père par rapport au fait sur la Anat Shriva, sur le plaisir qu'il a dérobé du père de violer sa fille. Maintenant, si on devait calculer cette indemnité selon la fille elle-même, alors on aurait pris plusieurs paramètres pour voir. Selon la famille avec qui il espérait marier la fille, vous imaginez qu'une famille de plus aristocrate, plus de Talmidei Chachamim, où les valeurs elles sont beaucoup plus conservées, et les filles elles sont prédestinées à des familles beaucoup plus propres et morales, si je peux dire. Alors, dans ce cas-là, le prix sera, en théorie, si on devait évaluer combien un père, qu'est-ce qu'il a volé de sa fille, eh bien, on verrait qu'il a pris un prix, sur un prix beaucoup plus cher que si c'était une famille un peu zol, où on se marie un petit peu avec n'importe qui, on laisse les jeunes filles de 12-13 ans de toute façon rôder, faire n'importe quoi. Ouais, donc, il y a. Et justement, la Torah Léonienne nous a dit non, tu ne vas pas donner l'indemnisation selon le niveau de famille et le niveau de la fille et tout ça, mais plutôt tu vas donner un prix fixe de 50 shekels. D'où la Mishnah qui me dit. Beones ou va m'effater, dans le viol ou dans la séduction. Donc la séduction, c'est la même chose que le viol aussi. La même chose, sauf qu'il n'y aura pas la différence, comme on a dit, différence du tsar, de la douleur, puisque elle était consentante. Donc le fait que la Torah a donné un prix fixe, il y a par cela les hakel ou les achmir. Il s'avère que parfois, ça, on a allégé l'indemnisation, et des fois, ça augmentera plus l'indemnisation. Keitzad, comment se présente le cas? Aré chez Anas ou Pita. Voilà qu'il a. Echad chez Anas ou Pita. Une personne qui a violé ou bien qui a séduit une jeune fille. Et Agdola chez Bakeuna. Une fille d'une famille de plus haute famille de la Keuna, le plus gros niveau du prestige. Des familles propres et tout ça. Betaktana chez Israël ou bien une famille des plus simples d'Israël. Quel que soit le cas, eh bien, noten chamishim sala, il devra donner 50 slaim. Vea bochet, vea bgam, et en plus de ça, il devra aussi payer bochet la honte et le bgam. Le bgam, c'est ce qu'on a expliqué, c'est l'endommagement, c'est le corps d'évalué. D'accord? L'indemniser le corps d'évalué qui a plus toute sa fonction.
en l'occurrence, elle a plus sa virginité, eh bien, à col les filles à mes vaillèches, ma vie de vaillèche, ça, bien sûr, bien évidemment, il faudra le reverser selon une grande règle. On payera selon la personne qui a commis l'acte odieux et la personne qui a été offusquée. C'est-à-dire, c'est une règle, en fait, c'est une phrase qui est connue, en fait, dans Baba Kama, concernant celui qui fait honte à son prochain. On a une grande règle, « Akol lefi hame vayesh va mit bayesh ». On n'a pas la même honte si je suis quelqu'un d'important et qui va encaisser un affront, ou si je suis une personne moins importante, d'un rang moins haut. Et idem aussi, on s'intéresse aussi à savoir celui qui a causé la honte. Je ne sais pas pourquoi, j'avais déjà expliqué que dans ma vocabulaire, c'est une question qui me trotte toujours dans la tête, quoi. C'est que si c'est quelqu'un de zol, quelqu'un de basse classe, de bas niveau, qui va venir me faire honte, je vais avoir une honte plus grande que si c'était quelqu'un de haut niveau. J'ai du mal à comprendre cette logique. Personnellement, je pense que c'est à l'envers. C'est-à-dire, si c'est quelqu'un de la rue, un clochard qui vient m'humilier en public, je ne vais pas tellement me sortir à avoir honte. Tout le monde va bien comprendre c'est qui le clochard de nous deux. Tandis que si c'est quelqu'un de très mirroubat qui va me faire un petit affront, moins que ça même, ça va me faire rougir bien plus, j'imagine. Mais non, ça ne marche pas comme ça. C'est que Adam Nikla Rashi nous rapporte. Adam Nikla Shabiyesh Boshto Mirouba. Un homme bas qui a fait honte, eh bien, la honte qu'il occasionne, elle est encore plus violente que si c'était quelqu'un de plus. D'un niveau de société plus haut. En tout cas, donc, c'est pour ça que la Mishnah nous conclut en me disant que donc, le bochet et le bgam, il faudra toujours le calculer en tenant compte des personnes, de l'homme qui a violé et de la personne qui a été violée. C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.